Au Pakistan, le bilan de l'attentat suicide de ce samedi matin s'est alourdi. Les autorités parlent désormais d'au moins 16 morts. Le kamikaze a fait exploser sa voiture bourrée d'explosifs sur un marché à une heure de grande fréquentation. Cela s'est passé à Dara Adamkel, dans le nord-ouest du pays, à proximité des zones tribales. Il y a également plusieurs dizaines de blessés. Cet attentat n'a pas été revendiqué, mais il visait apparemment le bureau du Comité pour la paix. Cette structure est formée d'anciens talibans devenus miliciens à la solde du gouvernement. Ils sont chargés de combattre les insurgés. Les autorités pakistanaises sont officiellement engagées dans une lutte pour combattre les talibans, mais les résultats semblent limités.